Carrefour Garage. Amen. Nous vous saluons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le Dieu de toute chair, alléluia. Le Dieu de toute âme, amen. Et le Dieu de tout esprit, le Dieu de tout esprit. Bien-aimés, quand je dis le Dieu de toute chair, amen. Le Dieu de toute âme, et le Dieu de tout esprit, Je veux dire que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, est le Dieu même, oui, créateur du ciel et de la terre. Amen. C'est celui-là. Dès le commencement, hein, à créer le ciel, alléluia, et la terre. Amen. Quand je dis le Dieu de toute chair, amen, de toute âme et de tout esprit, oui, c'est-à-dire Jésus Christ est toi ton Dieu. Il est mon Dieu et il est le Dieu de tous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'homme seul qui a la chair, qui a l'esprit et qui a l'âme. Il y a l'âme. Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Que Jésus-Christ, c'est celui-là qui règne sur toutes choses. Et c'est de celui-là que nous sommes venus vous parler encore ce soir. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je suis venu te dire quelque chose encore. Oui, frère. Je suis venu te demander quelque chose encore. Oui. Je suis venu t'interpeller encore. Oui. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, parent, je suis venu te rappeler encore qu'il y a Dieu, oui, qui s'est sacrifié pour toi. Alléluia. Je suis venu te rappeler encore le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes venus te rappeler le sacrifice de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour des religieux. Non. Je ne suis pas venu pour ceux qui disent sont chrétiens. Non. Je ne suis pas venu pour les bouddhistes. Non. Je ne suis pas venu pour les musulmans. Non. Je suis venu pour l'être humain. Alléluia. Si tu as une âme là, oui, c'est pour toi que je suis venu. Oui, bien-aimé, c'est pour toi. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ était là, il n'est pas venu après une communauté. Il n'est pas venu derrière encore. Encore, je vais dire encore certaines communautés. Mais il est venu appeler ses brebis. Il est venu rechercher ses brebis. Il est venu sauver les âmes. Il est venu sauver des âmes. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de se discuter, hein, pendant que nous sommes en train de parler ici sur terre, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Ça, c'est clair. Ce qu'il demande, c'est d'avoir des disciples. Ce que le Seigneur Jésus-Christ demande, c'est ceux-là qu'il adore, en esprit et en vérité. En vérité. Bien-aimé, je vais te poser la question. Oui. Est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Alléluia. Parce qu'avant d'adorer quelque chose, il faut connaître cette chose. Bien-aimé, tu dois le connaître d'abord. Est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu le connais? Bien-aimé, ton Dieu. Ton Dieu. T'as-tu dit qu'il est vraiment Dieu? Question. Ton Dieu. T'as-tu promis quelque chose? Question. Après ce monde? Est-ce que ton Dieu t'a promis la vie éternelle? Alléluia. Est-ce que ton Dieu s'est donné à la mort pour toi? Est-ce que ton Dieu s'est donné? C'est-à-dire quoi? Est-ce que ton Dieu s'est dépouillé de sa gloire? Alléluia. Pour venir mourir pour toi? Bien-aimé, c'est Jésus-Christ seul qui a fait cela. Alléluia. C'est Jésus-Christ seul qui s'est dépouillé de sa gloire. Amen. Qui est venu sur terre. Il est venu sur terre. Et qui est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Oui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort. C'est pourquoi il est mort. Cela ne doit pas être en vain. Oui. Mais bien-aimé, tu sais très bien qu'il est mort pour tes péchés. Mais pourquoi tu continues de pécher? Question. Bien-aimé, tu sais très bien que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que tu sortes de l'impudicité. Que tu sortes de l'impudicité. Mais pourquoi tu es toujours dans l'impudicité? Mais pourquoi est-ce que tu vis toujours dans l'impudicité? Tu sais qu'il est mort. Tu sais que Christ est mort. Pour que tu arrêtes de vivre dans le concubinage. Arrête de vivre dans le concubinage. Mais pourquoi tu vis toujours dans le concubinage? Mais pourquoi est-ce que tu continues à vivre dans le concubinage? Bien-aimé, la parole de Dieu pouvait déclarer qu'on ne se moque pas de Dieu. Il dit, on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Mais regarde un peu. Il s'est donné la vie pour toi. Oui. Il a versé son sang pour toi. Oui. Pour
parce que tu étais juste qu'il t'a donné la mort. Non, bien aimé. Mais c'est parce que tu étais pécheur. Tu vivais dans le péché. C'est parce que ton péché est arrivé jusqu'à ce comble. Oh oui. Ton péché a été tellement grave que le Seigneur Jésus-Christ est descendu. Il a laissé sa gloire. Il veut lui mourir pour toi. Je vais lui mourir pour toi. Mes frères. Oui, bien aimé. Mais ma soeur. Oui, ma soeur. Que fais-tu encore dans le péché? Qu'est-ce que tu fais encore dans le péché? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Bien aimé, est-ce que tu as véritablement donné ta vie à Jésus? Parce qu'en vérité, je te le dis. Oui, je te le dis en vérité. Il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus. Amen. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Amen. Il ne suffit pas de donner l'argent à ton pasteur. Il ne suffit pas de faire offrande. Il ne suffit pas de payer ta dîme. Il ne suffit pas de payer ta dîme. Il ne suffit pas de mettre Jésus-Christ sur ton statut. Non. Mais il suffit, bien aimé, ce qu'il faut, de vivre. C'est de vivre. Conformément à sa volonté. Conformément à sa parole. Bien aimé, arrête de te mentir. Bien aimé, cesse de te tromper. Cesse de te tromper. Cesse de te tromper. Jésus-Christ, on peut t'appeler. Oui. Mais je te dis en vérité. Bien aimé. Oui, bien aimé. La parole de Dieu pouvait déclarer. Je vais déclarer. Le salaire du péché. Le salaire du péché. C'est la mort. 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 Bien aimé. Bien aimé, je vais te dire. Comment trouve la mort? Alléluia. Au temps de Moïse. Bien aimé, au temps de Moïse. C'est-à-dire dans la Torah. Dans la Torah, l'Ancien Testament. Moïse. Moïse. Parlant selon Dieu. Oui. Il dit au peuple d'Israël. Il dit au peuple d'Israël. J'aimais le Seigneur Dieu a mis devant vous. Hein? Le Seigneur Dieu a mis devant toi. La vie. Il a mis devant toi la vie. Deux chemins. Et il a mis devant toi la vie et la mort. La vie et la mort. La vie et la... Il y a la vie et la mort. Bien aimé, il y a la vie et la mort. Et le Seigneur Dieu qui déclare. Et le Seigneur pouvait déclarer. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Ça c'est dans la Torah. Oui, bien aimé, ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais plus tard dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance. Quand Dieu s'est manifesté en chair. Quand Dieu a pris encore. Il a déclaré dans le livre de Jean 14, verset 6. Alléluia. Par là. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Bien aimé. Oui. La vie dont Moïse parlait de la Torah. Alléluia. La vie. Cette vie-là. Dont Dieu parlait dans l'Ancien Testament. C'est cette vie-là qui s'est manifestée. Oui, s'est manifestée. C'est cette vie-là que le Seigneur Jésus-Christ. Cette vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et donné qu'il y a deux chemins. Alléluia. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. Lorsque tu refuses la vie. Lorsque tu refuses la vie. Dès que c'est la mort qui a choisi. Que tu as préféré la mort. C'est-à-dire lorsque tu refuses Seigneur Jésus-Christ. Tu rejettes Jésus-Christ. Automatiquement, c'est la mort. Automatiquement, tu as choisi la mort. Si tu veux faire donner tous tes biens. Oui, bien-aimé. Si tu veux faire partager tous tes biens. Sois généreux. Oh, bien-aimé, sois généreux. Sois généreux. Mais étant donné que tu n'as pas choisi le Seigneur Jésus-Christ. C'est la mort qui a choisi. C'est la mort qui a choisi. Pas. Parce que c'est lui la vie. Amen. Les yeux ne peuvent pas te sauver. Alléluia. Amen. Les yeux ne peuvent pas te sauver. Cela ne te sauvera pas. Ça c'est déjà. Oui. Pour ceux qui ont choisi la mort. Ceux qui ont choisi la mort. Mais il y a une autre manière de choisir la mort. Il y a une autre manière de choisir la mort. Que beaucoup d'hommes ignorent. Oui. Tu dis tu as choisi Jésus. Tu dis avoir choisi Christ. Tu dis avoir choisi Christ. Tu dis avoir choisi Christ. Que tu parles à l'église. Que tu parles à l'église. On t'appelle chrétien. Tu es déjà chrétien. Mais bien aimé. Oui. Si tu es chrétien. Oui, si tu es chrétien. Que tu es un copain. Et que tu es un copain. Que tu es une copine. Que tu es une copine. C'est que c'est la mort tu as choisi. Alléluia. Si tu dis tu es chrétien. Que tu vis dans le concubinage. Et tu vis dans le concubinage. Ton mari ne t'a pas encore coté. Alléluia. Et tu es chez lui. Et tu es chez lui. Tu n'as pas encore coté la femme. Oui, bien aimé. Et vis chez toi. Et vis chez toi. C'est la mort que tu as choisi. Et tu as choisi la mort. Tu as choisi la mort. Alléluia. Tu dis tu es chrétien. Oui. C'est toi qui joues le match de football. Ah. C'est toi qui es tellement passionné au match de football. Oui. Tu n'as pas le temps du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas le temps pour Christ. On appelle cela de l'idolâtrie. Bien aimé, tu as choisi. Bien aimé, tu as choisi la mort. 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 Tu es chrétien. Oui. C'est toi qui crois après le prostitué. Ah. C'est toi qui fais à Oko. Ah. C'est toi qui te masturbes. Ah. Bien aimé, tu as choisi la mort. Bien aimé, réponds-toi. Bien aimé, tu as choisi la mort. 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 Parce que tu es en train de te mentir à toi-même. Alléluia. Bien aimé, tu dis tu as la vie. Tu dis tu as choisi Jésus-Christ. Et c'est toi qui es en train de consommer l'alcool. Ah.
Bien-aimé, je te le dis en vérité. Bien-aimé, en te disant en vérité en ce soir. On te dit la vérité. Oui, bien-aimé, en ce soir. Nous ne sommes pas venus parler de mariage. Non. Nous ne sommes pas venus parler de voyage. Loin de là. Nous ne sommes pas venus parler de travail. Très loin de là. Parce que ceux qui travaillent, oui. Ceux qui ont de l'argent, ceux même qui ont de l'argent, c'est les païens. Ce sont des païens. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour avoir l'argent. Alléluia. Tu ne sais pas à cause d'argent tu vas aller à l'église. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu as essayé d'accepter Christ. Toi qui vas à l'église à cause de mariage. Je ne viens pas à Jésus à cause de mariage. Je te dis en vérité, le Seigneur ne te coupe pas. Yeah. Moi qui vas à l'église à cause du travail. Tu vas à Jésus-Christ à cause du travail. Je te dis en vérité, le Seigneur ne coupe pas ta prière. Il ne prend pas plaisir à ta prière. Moi qui frappe à cause de voyage. Tu vas à Christ à cause de voyage. Le Seigneur ne coupe pas ta prière. Il ne prend pas plaisir à tes prières. Car il t'a déjà parlé. Il t'a déjà parlé. Il cherche premièrement le royaume. Premièrement le royaume des cieux. Et sa justice. Et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses te seront données par la suite. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. Quand tu cherches le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu viens à Jésus-Christ. La parole déclare que la grâce et la bénédiction t'accompagneront. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin d'aller à lui encore. Amen. À cause du travail. À cause des choses de ce monde. À cause des choses de ce monde. À cause des choses périssables. Bien, mais lorsqu'on voit Jésus, oui. La première chose c'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. C'est pour le salut. Mais pour cela. Mais pour cela. Il faut un sacrifice. Bien, mais il te faut un sacrifice. Il te faut un sacrifice. Il te faut un sacrifice. Parce qu'en vérité. Oui. Lorsque toi qui te dis disciple de Christ, lorsque tu te dis disciple de Christ, les gens du monde, oui, bien aimé, doivent voir la gloire de Dieu en toi. Doivent voir la gloire de Dieu en toi. Ils doivent voir une différence. Oh, oui, bien aimé. Entre toi et celui du monde. Il y a une différence entre toi et le païen. S'il n'y a pas de différence. Mais sans vous, les gars, il n'y a pas de différence. Entre toi et le païen. Sans vous, les gars, il n'y a aucune différence. Le païen va au maquis. Le païen est dans le maquis. Toi, tu vas au maquis. Et toi aussi, tu es dans le maquis. Le païen est copain. Bien aimé, le païen est dans le copinage. Toi aussi, tu es un copain. Toi aussi, tu es dans le copinage. Le païen est sa copine. Bien aimé, le païen est toujours dans sa copine. Toi, mais tu as un de copine même à l'église. Et toi, tu en as plusieurs. Le païen va faire fête anniversaire. Ah. Toi aussi, chrétien, tu fais fête d'anniversaire. Il est ensemble dans les bars. Tu dois juste faire fête d'anniversaire du pasteur. Ah. Bien aimé. Oui. Le Seigneur qui déclare dans le livre de Lévitique 26. Alléluia. Il dit, oui. N'imitez point les voix des nations. N'imitez point les voix des nations. Toi qui es chrétien. Toi qui es chrétien. Tu veux marcher selon les choses de ce monde. Tu marches selon les désirs de ce monde. Tu marches selon les convoitises de ce monde. Tu marches selon les convoitises de ce monde. Quand tu vois quelque chose qui sort à la mode. Oui. Toi qui es chrétien, tu veux porter ce genre de choses. Tu recherches ces choses. Bien aimé. Bien aimé. Le chrétien. Oui. Est un disciple de qui? Est un disciple de Jésus. Est un disciple de qui? Le disciple de Christ. C'est celui-là qui a rejeté le monde. Alléluia. Parce que le monde l'a rejeté d'abord. Le monde l'a rejeté en premier. Bien aimé. Oui. Si tu dois. Si toi. Il y a des choses de ce monde. Il y a des choses de ce monde. C'est que tu n'es pas de Dieu. C'est que tu n'es pas encore affranchi. C'est que tu n'es pas encore affranchi. Tu n'es pas encore affranchi par Christ. Parce qu'en vérité, en vérité. Parce qu'en vérité. Le Seigneur Dieu pouvait déclarer. Le Seigneur pouvait déclarer. N'aimez point le monde. Il n'aime point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Aime le monde. L'amour de qui? Du Père. L'amour de Dieu. N'est pas. Lui. Ne peut demeurer en lui. Ne parle en lui. Ne pas en lui. Bien aimé. Oui, bien aimé. Réveille-toi. Bien aimé, réveille-toi. On ne peut pas, comme on le dit ici, de citer. Oui. Poursuivre de lièvre à la fois. On ne peut pas poursuivre de lièvre. Tu ne peux pas vouloir profiter de la vie sur terre. Ok. En même temps, avoir la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bien aimé, ce n'est pas possible. Quand le chrétien est un sacrifice. Alléluia. Quand la vie du chrétien est déjà sacrifiée. Alléluia. Mais toi, tu es chrétien. Amen. Toi qui es chrétienne, oui. Et il y a les choses encore du monde sur toi. Il y a les choses du monde sur toi. J'ai encore les choses du monde sur toi. Les attraits de ce monde encore. Oh, maman, parent, ma soeur, qui est chrétienne, oui. Et les choses de ce monde sont sur toi. Oui. Regarde un peu. Allons-y. Comment d'abord tu t'habilles? Bien-aimé, regarde ton accoutrement. Regarde ton accoutrement. Bien-aimé, regarde ta manière de te vêtir. Regarde comment tu t'habilles même pour aller à l'église. Bien-aimé, regarde même lorsque tu dis tu vas dans la maison de Dieu. Est-ce que le Seigneur Dieu t'a dit? Est-ce que Christ t'a dit? T'as demandé de te maquiller pour lui? Question. Est-ce que le Seigneur Dieu t'a dit?
Bien-aimé, est-ce que Jésus-Christ t'a demandé? Quand tu as fumé rouge à lèvres. À te déguiser pour venir l'adorer. Avant de venir, oui. Faut changer de visage. Faut changer de visage. Est-ce que le Seigneur Dieu t'a dit? Est-ce que Jésus-Christ t'a dit? Ma fille. Faut teindre tes cheveux. Non, faut changer la couleur de tes cheveux. Est-ce qu'il t'a dit de porter talons? Est-ce qu'il t'a dit d'augmenter ta taille? Mais pourquoi? Tu te rebelles à qui? Tu te rebelles. Pourquoi tu veux corriger ton Dieu? Mais pourquoi est-ce que tu veux corriger Dieu? Parce qu'en le faisant. Parce qu'en agissant ici. Tu es en train de dire à Dieu. Mais tu es en train de dire à Dieu. Que ton Dieu t'a mal créé. Tu t'as mal formé. Tu n'es pas belle. Oh. Tu n'es pas du tout belle. Tu ne te vois pas belle. Tu vas aller chercher mèche humaine. Uh-huh. Pour te poser sur ta tête. Pour augmenter tes cheveux. Tu vas aller chercher mèche. Oui. Tu saches. Oui. Perruque. Oui. Pour mettre sur ta tête. Pour mettre ça sur ta tête. Et tu vas être à l'église. Oui. Je te le dis en vérité. Oui, bien aimé. Tes hommes de Dieu sont en train de te mentir. Okay. Parce que ton adoration, ton adoration ne monte pas vers le Seigneur. Alléluia. Ne monte pas vers le Seigneur. Ça ne peut monter. Bien aimé. Je te le dis en vérité. Donc les chrétiens ne doivent pas voir les choses de ce monde. Alléluia. Oui, bien aimé, les chrétiens ne doivent pas voir les choses de ce monde. Alléluia. Bien aimé, tu es ici et tu entends ces paroles. Bien aimé, tu es ici, tu es derrière ta table, tu vois. Regarde, tu as certainement de passage. Tu as certainement de passage. Mais nous venons t'annoncer l'évangile. Mais viens t'annoncer l'évangile. Tu connais déjà Jésus-Christ. Tu connais déjà Jésus-Christ. Ou du moins, tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ. Tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ. Certains diront qu'ils sont déjà chrétiens. Certains diront qu'ils sont déjà chrétiens. Que ces choses qu'ils disent là ne comptent pas. Que ces choses qu'ils disent ne comptent pas. Mais bien aimé. En ce soir. Avant d'aller plus loin. J'aimerais commencer par te poser cette question. Je vais te poser cette question. Bien-aimé, regarde, tu as derrière ta bouteille d'alcool. Bien-aimé, regarde, ce matin, tu as eu à escroquer quelqu'un. Bien-aimé, regarde, tu es ici. Mais tu ne parles pas avec ton prochain. Bien-aimé, regarde, tu as manqué de respect à tes parents ce matin. Bien-aimé, regarde, tu as forniqué en ce matin. Tu as commis l'impudicité. Je te pose cette question ce soir. Bien-aimé, si la mort te trouvait ici, où irait ton âme? Question. Bien-aimé, si la mort te trouvait ici, où irait ton âme? Bien-aimé, où est-ce que ton âme irait? C'est vrai, tu vis. Mais sache que ta vie ici va n'est point éternelle. Mais ta vie n'est pas éternelle. Mais si la mort frappait à ta porte ce soir. Mais où irait ton âme? Et ce soir, nous sommes venus vous avertir. Nous sommes venus vous mettre en garde. En ce qui concerne les rues du diable. Parce que la Bible pouvait déclarer. Tu es ingénieux au mal. Le diable est ingénieux au mal. C'est pourquoi Christ l'appelle le menteur. Et le malin. Mais bien aimé, regarde. Nous remarquons aujourd'hui, même dans l'église de Christ, le diable a sa mainmise. Mais pourquoi? Le Seigneur pouvait dire, dans le livre de Jean, il dit le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien en moi. Mais il n'a rien en moi. Bien aimé. Tu es ici. Tu dis que tu as connu la vérité. Est-ce que le diable n'a rien en toi? Bien-aimé, tu es ici. Et tu dis avoir connu la vérité. Est-ce que le diable n'a rien en toi? Parce que lorsque tu vis dans le péché. Alors le diable a quelque chose en toi. Bien-aimé, lorsque tu vis dans le mensonge. Bien-aimé, lorsque tu vis dans le copinage. Le diable a quelque chose en toi. Lorsque tu vis dans la masturbation. Le diable a quelque chose en toi. Mais bien-aimé, regarde. Tu diras certainement. Que tu es déjà sauvé. Christ t'a déjà sauvé. Il a déjà payé le prix. Mais n'a-t-il pas dit dans le livre de Jean, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est
effacé. Et seuls les violents s'en emparent. Seuls les violents s'en emparent. Et seuls les violents s'en emparent. Et seuls les violents s'en emparent. Pourquoi mon choix pouvait dire tout à l'heure? C'est pourquoi que le chrétien doit faire un sacrifice. Le chrétien doit faire un sacrifice. Bien aimé, quel est ce sacrifice? Quel est ce sacrifice? Il ne s'agit plus d'aller sacrifier les poulets. Il ne s'agit plus d'aller sacrifier les poulets. Il ne s'agit plus de partir casser les œufs dans le carrefour. Il ne s'agit plus de casser les œufs au carrefour. Bien aimé, il ne s'agit plus de partir casser les canaris, non. Il ne s'agit plus de casser les canaris. Bien aimé, il ne s'agit plus. Il ne s'agit plus. Tuer, je ne sais pas, des moutons. De partir tuer les moutons. Et pour dire, faire des sacrifices. Et pour faire des sacrifices. Bien aimé, il ne s'agit plus de cela. Il ne s'agit plus de cela. Parce que Christ a déjà fait ce sacrifice. Parce que Christ a déjà fait ce sacrifice. Christ a déjà fait ce sacrifice. Il t'a déjà fait ce sacrifice. Mais le sacrifice dont on parle. Mais le sacrifice dont on parle. Bien aimé, c'est l'abandon du monde. C'est l'abandon du monde. C'est l'abandon du monde. C'est l'abandon du monde. L'apôtre Paul pouvait dire. L'apôtre Paul pouvait dire. Que Christ a ma vie. Que Christ a ma vie. Et la mort m'est un gain. Et la mort m'est un gain. Il pouvait dire encore. Il pouvait dire encore. Que si je vis. Que si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Bien aimé, ta vie ne compte. Ta vie ne compte plus. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Ce n'est plus ta volonté qui compte. Ce n'est plus ta volonté qui compte. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Tu ne recherches plus tes propres plaisirs. Tu ne recherches plus tes propres plaisirs. Parce que la Bible déclare. Parce que la Bible déclare. Dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates. Que l'Esprit. Que l'Esprit. Qui est Christ. Qui est Christ. A des désirs contraires. A des désirs contraires. À ceux de la chair. À ceux de la chair. À ceux de la chair. Ceux de la chair. Bien-aimé, regarde. Bien-aimé, regarde. Lorsque tu te lèves. Lorsque tu te lèves. Et que tu commences à te déguiser. Que tu commences à te déguiser. Tu commences à te maquiller. Tu commences à te maquiller. Bien-aimé, est-ce que c'est l'Esprit de Christ? Est-ce que c'est l'Esprit de Christ? Tu te demandes de mettre ces choses. Question. Bien-aimé, est-ce que l'Esprit de Christ? Est-ce que l'Esprit te dira qu'il a besoin de make-up? Te dira qu'il a besoin de make-up? Est-ce que l'Esprit de Christ? Est-ce que l'Esprit de qui? Te dira qu'il a besoin de rouge à lèvres? Te dira qu'il a besoin de rouge à lèvres? Est-ce que l'Esprit de Christ? Est-ce que l'Esprit de Christ? Te dira qu'il a besoin de je ne sais pas de venir à honte? Te dira qu'il a besoin de venir à un. Mais non. Non. Ce que l'Esprit de Dieu veut. Ce que l'Esprit de Dieu veut. C'est que tu vis dans la sainteté. C'est que tu vis dans la sainteté. Pourquoi il dit dans sa parole? C'est pourquoi il déclare sa parole. Hébreux 12. Dans Hébreux 12. Verset 14. Verset 14. Recherchez la paix. Recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle. Sans laquelle. Nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas sanctifié. Bien-aimé, si tu n'es pas sanctifié. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Bien-aimé, si tu ne vis pas dans la sainteté. Bien-aimé, si tu ne vis pas dans la sainteté. Tu ne marches pas dans la sainteté. Si tu ne marches pas dans la sainteté. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas entrer au ciel. La sainteté. Oh, la sainteté. Ne se limite pas qu'un seul corps. Ne le partit. Ne se limite pas qu'un seul parti. Mais bien-aimé, ton corps doit être sain. Mais ton corps doit être sain. Ton cœur doit être sain. Ton cœur doit être sain. Ton esprit doit être sain. Ton esprit doit être sain. Mais bien-aimé, regarde. Mais bien-aimé, regarde. Tu dis que tu marches dans la sainteté de cœur. Tu dis que tu marches dans la sainteté de cœur. Mais qu'en est-il de ton corps? Mais qu'en est-il de ton corps? Qu'en est-il de ton corps? Qu'en est-il de ton corps? Étant donné que l'église. Étant donné que l'église. Elle est épouse de Christ. Elle est épouse de Christ. Bien-aimé, regarde. Bien-aimé, regarde. Tu préfères donner ton cœur. Tu préfères donner ton cœur. À Christ. À Christ. Et ton corps. Et ton corps au monde. Au monde. Bien-aimé, je te prie. Je te prie, bien-aimé. En ce soir. En ce soir. Toi qui entends ce message. Toi qui entends ce message. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Bien-aimé, en ce soir. En ce soir. Nous voulons vous annoncer l'évangile. Nous voulons vous annoncer l'évangile. Nous voulons vous annoncer la. Nous voulons vous annoncer la repentance. Nous venons vous annoncer la repentance. Nous venons vous annoncer la repentance. Nous venons vous annoncer la repentance. Non, tu ne suis pas ton cœur. Bien-aimé, nous sommes ici. Nous sommes ici. Ah, mais les temps sont finis. Mais les temps sont finis. Bien-aimé, tu es ici. Tu es ici. Certainement, tu ne le sais pas. Certainement, tu ne le sais pas. Mais les temps sont finis. Mais les temps sont finis. Tu as longtemps entendu parler. Tu as longtemps entendu parler. Tu as longtemps entendu dire. Tu as longtemps entendu dire. Oh, Jésus revient. Oh, Jésus revient. Il y en a certains même. Il y en a même certains même. Dans le malin plaisir. Dans le malin plaisir. De dire. De dire. Oh. Depuis là, il vient, mais il ne vient pas. Depuis là, je vois Jésus là, il ne vient pas. Bien-aimé. Bien-aimé. Allons-y à la lumière des Écritures. Allons-y à la lumière des Écritures. Et nous verrons que Christ à la porte. Nous verrons que Christ à la porte. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu 24. Quand nous lisons le livre de Matthieu 24. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il était avec ses disciples. La Bible déclare qu'il était avec ses disciples. Et voici ses disciples étant en train de lui montrer. Et ses disciples étant en train de lui montrer.
les différentes constructions, les différentes constructions, les belles maisons, les étages, le beau temple, le beau temple. C'est dit-il lui montrer ces choses. C'est dit-il lui montrer ces choses. Et voici. Il pouvait répondre. Vous voyez toutes ces choses. Vous voyez toutes ces choses. Rien de cela n'existera. À l'avènement du Fils de l'homme. C'est dit-il lui posait la question. Il lui posait la question. Maître. À quoi nous allons reconnaître que ton temps est proche, Donne-nous ainsi. Alors il a dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Bien-aimé, tu es ici, tu es assis. C'est le passage. Regarde, derrière ta bouteille d'alcool. Regarde, est-ce que tu n'as pas entendu parler? Est-ce que tu n'entends pas parler? Depuis des années. La guerre. Menace de guerre. Par-ci, par-là. En Irak. En Afghanistan. Même ici. En Ukraine. Partout. Et pas d'Ukraine. Bien-aimé, est-ce que tu n'entends pas parler de guerre? Mais est-ce que tu regardes, tu prends la peine? D'analyser ta vie. Est-ce que tu prends la peine? De mettre de l'ordre dans ta vie. Mais ce n'est pas la fin. Vous verrez des familles. En divers lieux. Mais regarde déjà. Plusieurs pays. Dans plusieurs pays, il y a la famille. Les gens meurent. Parce qu'ils n'ont rien à manger. Mais ça ne te dit pas quelque chose. Il dit encore, en plus de ces choses. Une nation. Se lèvera contre une autre. Un royaume. Contre un autre royaume. Mais bien aimé, regarde. On n'attend pas si. Menace de l'OTAN. La Russie par ici. On attend les États-Unis par là. Les menaces de guerre. Certains vont même jusqu'à dire. Peut-être qu'il y aura troisième guerre. Mais bien aimé, ça ne te dit pas grand chose. Tu continues à vivre dans le péché. Bien aimé, regarde. En plus de cela, il a dit. Que l'évangile aurait été annoncé. À tous les recoins de la terre. Là viendra la fin. Mais dis-moi. Tu es ici. Dites-moi s'il vous plaît. Qui n'a pas encore entendu parler de ce nom. Mais qui n'a pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Certainement tu diras ma religion. Mais je te dis ce soir que ta religion ne te sauvera pas. Ta religion ne peut pas te sauver. Mais je te dis ce soir. Que si la tempête sonne. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Que tu iras au ciel. Mais si la tempête sonne ce soir. Ce n'est pas parce que tu pries cinq fois dans la journée. Que tu iras au ciel. Si la tempête sonne ce soir. Bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu parlais l'église que tu iras au ciel. Si tu n'abandonnes pas cette mauvaise vie, Le ciel te sera fermé. Encore ce soir, mettez de l'ordre dans vos vies. Changez de vie. Changez de vie. Le diable a semé l'ivraie partout. C'est la débauche partout. Et les jeunes hommes, les jeunes filles, pour modèle. La grande personnalité, quand tu regardes une telle personne, la personne dira, mon idole, c'est Arafat, c'est Beyoncé, c'est Cristiano, c'est Emmanuel, c'est Shakira, c'est Rihanna, bien-aimé, toi qui es dans le fanatisme, je te prie,
Si tu mets dans ces choses, si tu mets dans ces choses, le ciel te sera fermé, le ciel te sera fermé. L'apôtre Paul pouvait dire, l'apôtre Paul pouvait déclarer, lit de Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, il dit, imitez Christ, il demande d'imiter Christ, sois pour idole, il nous demande d'avoir pour idole, on peut s'exprimer ainsi. Jésus-Christ de Nazareth. Il demande d'être imitateur de Christ. Bien aimé, regarde. Tu as changé ta manière de t'habiller. Parce que tu as vu Emmanuel s'habiller ainsi. Parce que tu vois Yana s'habiller comme ça. Parce que tu as vu Emmanuel faire une coiffure. Bien aimé, regarde. Autrefois, tu t'habillais normalement. Mais depuis que tu as connu ces choses, tu as commencé à suivre. Inscrire sa grande personnalité. C'est grâce à. Bien aimé, regarde. Ton accoutrement a changé. Tu fais Christ cross. Tu descends ton pantalon ici. Tu envoies ton caleçon. Tu mets ça ici. Et tu dis tu fais flotte. Bien aimé. Dis-moi. Lorsque tu prends des vêtements, c'est pour s'habiller. Ou c'est pour se dénuder. Mais regarde aujourd'hui. Le diable a tout perverti. Jeune homme comme jeune fille. C'est la perversion. C'est gâté. Tout le monde. Et on fait la bonne fille. Moi je suis à la mode. Et le Seigneur dit. Dans le livre de 1 Jean 2, verset 15, il dit de ne pas aimer le monde. De ne pas aimer le monde. Jeune fille, fuis la passion de la jeunesse. Mais regarde, aujourd'hui aussi, non pas seulement à nos noms, mais partout, quand nous regardons, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, que ce soit, je ne sais pas où il y a, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique du Sud, partout dans le monde. Mais regardez. La mode. Et selon cette mode, il faut se dénuder. Pour dire qu'on a habillé. Selon cette mode. Il faut se déshabiller. Quand tu prends un habit, tu te permets d'habiller. Quand tu sors de la maison, généralement, on a cette pensée en tête. Aujourd'hui, je vais faire mal. Aujourd'hui, je vais la casser. Bien aimé, regarde. Qui est-ce que tu honores? Aujourd'hui, on regarde. Le comportement, l'éducation, que les parents, autrefois avaient donné aux enfants, ont déjà donné à leurs enfants. Mais ces choses ont disparu. On veut suivre le monde. On veut suivre la mode. On veut suivre la jeunesse. Aujourd'hui, on a abandonné les bonnes habitudes. Courir derrière la mode. Aujourd'hui, on se regarde. Et on se regarde. Je suis chic. Je suis propre. Mais bien aimé. Cette propriété là. Elle est un seul endroit. Une seule destination. Bien aimé, c'est la mort. C'est l'enfer. Bien aimé, regarde. Mes jeunes sœurs. Aujourd'hui. La descente a disparu. C'est fini ça. La débauche. J'arrive à la maison. La mère de famille. Elle s'en va. Elle va acheter des vêtements. Pour sa fille. Elle ne lui donnera pas. Des vêtements. Pour qu'elle soit décente. Respectable. Mais le contraire. Il va lui acheter des petits culottes. Des mini-jupes. Et elle dira. Enfant. Mon enfant.
Non, tu vas tuer. Trop sexy. Là, tu es chic. Tu es trop sexy. C'est sexy. Ma fille, elle a mais PNMB, regarde. Quand tu dis que tu t'habilles sexy, regarde, qu'est-ce que je ne sais pas. Quand tu entends sexy. Quand tu entends sexy. PNMB, il y a quel mot dedans? Il y a quel mot dedans? PNMB, quand tu entends sexy. Quand tu entends sexy. Il y a quel mot dedans? Il y a quel mot dedans? Il y a quel mot dedans? Il y a quel mot? PNMB, il y a quel mot? Je crois que sexy. Oui. On attend bien sexy. On attend bien sexy. Mais bien aimé, le sexe. Mais regarde un peu. Mais bien aimé, regarde. Comment tu t'habilles? Mais comme tu t'habilles? Tu dis, toi-même, tu dis que tu es sexy. Tu dis que tu es sexy. Tu dis que tu es sexy. Oui. C'est à dire toi-même, hein? Oui. Toi-même, tu te dis sexy. Oui. Oh, la sexy. Oh, oh. Le sexy, en fait. Sexy. Le fait d'être sexy, on appelle ça aussi de l'impudicité. Oui. Bien aimé, allons-y. Quand tu te mets à sexy, on appelle cela de la prostitution. Parce que tu es en train de te vendre. Bien aimé, il a dit dans la parole de Dieu, regarde la convoi dans son cœur. Et la convoi dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle. Elle a commis un adultère avec elle. Ma soeur, oui. Tout dépend de la manière que tu t'habilles. Quand tu sors de la maison, oui. Il y a quelle intention dans la tête? Question. Parmi tous les habits qu'on voit au marché, tous ces enfants, au lieu de porter des habits décents, ils vont bien te couvrir. Ils vont bien te couvrir, ils vont bien t'acheter ton corps. Car le jour où tu t'en vas acheter cycliste, tu vas porter tes petites culottes là. Tu t'en vas acheter cycliste. Tu vas porter petit picot. Tu vas mettre spécial dessus. À 16h, tu vas sortir pour aller acheter. La nuit, tu vas sortir pour aller à la boutique. Oui. Ma soeur. Oui, bien aimé. Selon toi. Selon toi. Est-ce que Dieu peut approuver cela? Question. Je crois en train de te dire. Oui. C'est pour ta vie. Bien aimé, c'est pour ta vie. Ma soeur. Oui, bien aimé. Toi qui portes pantalon. Je te le dis en vérité. Bien aimé, une femme qui porte un pantalon. Pantalon là. Oui. C'est pas pour toi. C'est pas pour les femmes. Le pantalon est fait pour les hommes. Bien-aimé, toi qui te veste, qui t'habille en pantalon. Le pantalon est fait pour les hommes. Bien-aimé, le pantalon est fait pour les hommes. Il n'y a pas pantalon de femme. Il n'y a pas pantalon de femme. Si tu as pantalon de femme, si tu as pas de pantalon, le jour tu fais une là. Faut étudier la scène qui est devant toi. Bien-aimé, faut t'arrêter. Faut t'arrêter de la scène qui est devant. Faut tirer la braquette. Le pantalon n'est pas fait pour la femme. Parce que lorsque tu portes le pantalon, quand tu portes le pantalon, le pantalon te dit tout est en dehors. Oui. Et encore le pantalon est fait pour séduire. Ah. Ma soeur. Autorité, la vérité. Parce que ça, les épreuves de l'amour. Nous ne sommes pas venus vous casser quelque chose. Nous ne sommes pas venus vous mentir. C'est chose que vous ignorez. Ah. C'est chose auquel vous ne faites pas attention. Oui. Parce que tu te dis en toi-même que Dieu regarde seulement le cœur. Oui. Mais je vais te poser une question. Est-ce que ce n'est pas selon ton cœur que tu aimes ces genres de choses? Je vais te poser une question. Est-ce que ce n'est pas de ton cœur que viennent les convoitises? Quand tu manges de la rue, tu regardes les habillements qu'on met sur le masqué. Mais l'habillement qui est le plus sexy, c'est ce qui t'attire. Bien sûr. Parce que lorsqu'on met sur le masqué, c'est tellement sexy. Que tu te vois dedans. Là, si les regards, tu vas laisser les deux dents. C'est ce qui est sexy là, tu vas le prendre. Ma soeur. Oui, bien aimé. Je te le dis en vérité. Oui, bien aimé. Le diable ne va pas venir derrière toi. Non. Pour te forcer à le péché. Il ne va pas venir derrière toi, ma sœur. Bien aimé. La parole de Dieu l'appelle le rusé. Il est le rusé. Parce que tu penses que tu es le combat de diable. Mais je te dis la vérité. En mettant ces choses sur toi, tu es en train d'adorer le diable. Parce que tu te rébelles au Seigneur. Vérité. Bien aimé. Oui, bien aimé. C'est la vérité que nous vous disons. Regarde un peu. Tu dis par exemple que Dieu regarde le cœur. Mais regarde ta soeur. Bien aimé, regarde ta soeur. Ou mais regarde toi-même. Regarde-toi. Quelqu'un qui va à l'église. Oui. Quelqu'un qui vient voir à l'église. Il va à l'église. Elle a fait percer, elle a percé son nez. Ah. Elle a percé son la langue. Elle a percé son nombril. Oui. Elle a percé sa voiture.
vestir les oreilles. Un monsieur la pompier. Oui. Mon frère des garçons. Est-ce que Dieu peut approuver cela? Question. Est-ce que Dieu peut approuver cela? Question. Elle fait allégorie. Oui. Elles ont porté talons. Elles ont fait teinture. Oui. Elles ont mis un petit peu. Elles ont mis rouge à l'air. Bien sûr. Elles ont porté soutien au boulet. Bien sûr. Elles ont acheté caleçon pour augmenter la fête. Pour augmenter la fête. Oui. Selon vous, est-ce que Dieu peut approuver est-ce cela? Est-ce que Dieu peut accepter cela? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Bon, parce que ne vous dites pas la vérité. Bien aimé, il y a quelqu'un de la mort. Il ne vous dit pas la vérité. Je refuse à cela. Tu as mis déjà les choses qui peuvent porter au ciel. Mais le ciel ne sera fermé. Parce que tu as été des séduits. Oui. Oh, le Dieu n'est pas un Dieu de séduction. Il n'est pas un Dieu de séduction. Il n'est pas un Dieu séducteur. Il n'est pas dans la séduction. Parce que pour toi, tu dis que tu es belle. Une femme doit se faire belle. Oui. Mais Sarah, oui. Qui est la mère de tous les chrétiens. Sarah, qui est la femme. Oui. Tu peux apprendre. Est-ce que Sarah s'est maquillée? Ah. Est-ce que nos mamans ont besoin de se maquiller? Question. Tu t'en vas à l'église. Tu es dans le groupe musical. Tu me tiens dans notre groupe. Et dans vos groupes, tu sors sortir les yeux avec tes choses. Dans l'église du Seigneur Jésus. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Oh oui. Tu as ton gars dedans. Tu as ton copain là-bas. Tu as ta copine dedans. Tu as ta copine là-bas. Et puis vous faites jalousie. Hein. Vous faites pas. Oui. Lui, elle est déjà à moi. Hein. Celle-là, elle est déjà à moi. Hein. Dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Ça, c'est pas l'église de Dieu. C'est pas l'église de Dieu. Ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église de Dieu. Et c'est ce que l'on remarque aujourd'hui. C'est ce que l'on remarque. On remarque cela dans plusieurs assemblées. On remarque cela dans plusieurs assemblées. Oh, là-bas, là, tout est permis. Tout est permis. On rentre comme on veut. On rentre comme on veut. On fait ce qu'on veut. Tout est permis. Tout est permis. C'est qui compte. Ce qui compte. Fais la bonne chose. Fais la bonne chose. Fais, je ne sais pas, œuvre de charité. Au fond, marche selon ce que le Seigneur fait. On a dit. On n'a pas tué quelqu'un. On n'a pas tué. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas tué l'homme. Je n'ai pas fait ceci. Voici, je mets dans le ciel. Bien aimé. Bien aimé. Comme le Seigneur te le dit. Tu entres dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Tu entres dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et regarde, c'est bien midi. C'est bien midi. Regarde, le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Il est là-bas à la chair. Il est là-bas à la chair. Et toi, tu es venu t'asseoir. Toi, tu es venu t'asseoir. Avec ta robe qui t'arrive ici. Avec ta robe qui t'arrive ici. Lorsque tu t'assois. Lorsque tu t'assois. Mais aimé, lui qui a la chair. Lui qui a la chair. Quand il te regarde. Quand il te regarde. Il est disposé. Il est disposé. Il est disposé. Il est déjà disposé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ton vêtement. Parce que ton vêtement n'est pas la gloire de Dieu. N'est pas la gloire de Dieu. Ça ne peut pas lui permettre. Ça ne peut pas lui permettre de véritablement se concentrer. De véritablement se concentrer. Parce que la séduction. Parce que la séduction. Dis pas nos jeunes soeurs. Quand elle sort de la maison. Quand elle sort de la maison, elle prend son habit. Elle prend son habit. C'est bien plaqué. C'est bien plaqué. C'est bien plaqué. C'est bien plaqué. Et puis mini. Oui. Mais le problème, quand elle marche, ça monte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est plus à l'aise. Et quand elle marche, elle descend. Elle tisse. Mais je dis, qui t'a envoyé? Est-ce qu'on t'a demandé de porter ça? Tu as regardé. Tu as désiré avoir. Tu t'es trouvé le moyen d'acheter. Et maintenant, regarde, tu es dans la souffrance. Tu t'appuies, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Tu vas t'appuyer pour séduire. Avec des vêtements minimes. Mais bien aimé, laisse. Laisse ce vêtement, je te prie. Vous voyez, c'est chaud. Laisse la mise des choses en place. Afin de gagner le pourtant. Afin de gagner le pourtant. Il y a un grand nombre de personnes. Mais quand nous regardons la jeunesse aujourd'hui, même ici à Nodo, nos jeunes sœurs, à partir de 14 ans, on est fini, c'est gâté. À partir de 13 ans, à partir de 16 ans, on est fini. Elle est déjà gâtée. Mais pourquoi? Parce que les parents ne lui ont pas donné cette bonne éducation. Parce que les parents ne l'ont pas écouté selon la voix du Seigneur. Parce que les parents ne l'ont pas emmené à marcher sur les sept écritures. Mais quand nous regardons aujourd'hui, une petite fille de 15 ans,
Elle a déjà perdu sa virginité. Et on regarde. On dit ah, ah. Et les parents sont contents. Ton parent qui est ici. Ton enfant sort. Tu sais qu'elle ne travaille pas. Tu sais que ton enfant ne travaille pas. Ton enfant n'a pas un emploi. Tu peux lui rapporter quelque chose. Mais les maîtres ici, ton enfant sort le soir. Et tu lui dis, grâce au Angelin, il faut m'envoyer un garçon. Grâce au Angelin, il faut m'envoyer pour les. Bien aimé. Avec quoi ça va acheter ces choses? Bien aimé, avec quoi est-ce qu'elle ira acheter ces choses que tu lui demandes? Aujourd'hui, on pousse nos enfants à ces choses. On pousse nos enfants à ça. La débauche. Et quand vous regardez le slogan d'accent dans l'eau, ici, pas trop loin, juste derrière la station. Vous verrez nos jeunes soeurs. Vous verrez. Nos jeunes soeurs. Vous verrez. À cause de quoi? Parce que certains n'ont pas les moyens. D'autres, c'est pas le plaisir. D'autres, c'est en suivant ce genre de choses qui se permet dans ce genre de truc. La prostitution. Et nous regardons ces choses. Et on est content. Et toi, homme qui est ici, tu laisses ta femme à la maison. Et tu pars. Tu t'en vas là-bas. Tu dis, tu vas te mettre à l'aise. Je te prouve pas toi. Mais je te prouve pas toi. Tu es ici, tu fais ta maison close. Je te prouve pas toi. Tu es ici, tu fais les prostituées. Je te prouve pas toi. Mais les mecs sont ici. Et tu regardes les films pornographiques. Je t'en supplie, réponds-toi. Mais les mecs, mets de l'ordre dans ta vie. Mais les mecs, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mais les mecs, réponds-toi. Réponds-toi. Mais les mecs, réponds-toi. Changez de vie. Mais les mecs, changez de vie. Parce que les temps sont finis. Mais les mecs, changez de vie. Parce que les temps sont finis. Mais les mecs, les temps sont finis. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Venez mes frères, je suis ici. Et à la maison, regarde, j'ai un potentiel avec ton prochain. Il y en a certains ici qui ne parlent pas avec leurs frères, mais qui disent qu'ils vont à l'église. Venez mes, je t'en prie, réponds-toi. Tu es ici. Et tu as changé la nature de ta chevelure. Je t'en prie, réponds-toi. Mets de l'ordre dans ta vie. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Venez mes, avant que la promesse de sorte. Je te prie, mets de l'ordre dans ta vie. Bien aimé, je te prie, mets de l'ordre dans ta vie. Jeune fille, je te prie. Toi qui cours derrière le copinage. Bien aimé, jeune fille, c'est ici. Dans ce quartier. À cause d'un téléphone. C'est ici. À cause d'un téléphone. À cause d'un je ne sais pas. Un morceau de poulet. Regarde, tu t'en vas donner ton corps. Je te prie, mets de l'ordre dans ta vie. Bien aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Si ça n'a pas un peu son baffin. Bien aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie, car les temps sont finis. Bien-aimé, tu coudes derrière le iPhone. Mais tes choses ne te sauveront pas. Bien-aimé, regarde, tes choses ne te sauveront pas. Je t'ai pu mettre de l'ordre dans ta vie. Jeune homme qui a l'issue. Et regarde, il y a encore d'autres phénomènes que le diable a eu à mettre en place. On parle de jeu hasard. Aujourd'hui, on est là, on parle de jeu hasard. Pourtant, le Seigneur nous dit de lire de Lévitique. Le Seigneur nous dit dans le livre de Lévitique 18, il dit de ne pas se confier au hasard, de ne pas observer les étoiles pour tirer des pronostics. Mais le Seigneur te défend de t'adonner au hasard. Mais quand nous regardons aujourd'hui, oh le monde entier, ça coupe un espèce, ça coupe mon enfant, ça coupe, je ne sais pas, rouge par ma taille. Mais je t'en supplie, sors de ces choses et mets-la dans ta vie. Mets-la dans ta vie. Bien-aimé, tu cherches un travail. Bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Cherche à marcher dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras, il te fera grâce. Bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Toi qui es ici. Et celui que tu connais déjà Christ. Bien-aimé, je t'en prie. Regarde ta vie. Et pose-toi cette question. Si aujourd'hui, on a ta tête sur elle. Bien-aimé, est-ce que les cheveux que tu as eu à mettre sur ta tête, est-ce que les mèches que tu as eu à mettre sur ta tête te permettront d'entrer au ciel? Bien-aimé, dis-moi. Si la tempête sur nous aujourd'hui, bien-aimé, dis-moi, est-ce que le pain que tu as aujourd'hui te permet pas d'entrer au ciel? Plusieurs sont de moi, nos chevilles à 18 ans, elles sont devenues claires. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bien-aimé, c'était noir. Aujourd'hui, tant de fois, on dit la blanche, bien-aimé, de quel coup t'es devenue blanche? De quel coup t'es devenue blanche? Bien-aimé, je t'en prie, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Nous voyons ces choses. Ce phénomène, la dépigmentation,
la dépigmentation. Pendant le Seigneur nous enseigne le livre de Jérémie. Il dit, un léopard ne peut pas changer la taille de son corps. Un léopard ne peut pas changer la taille de son corps. Mais bien aimé toi, que Christ a fait à son image. Regarde, t'as changé la nature de ton corps. Regarde, c'était noir. Aujourd'hui, c'est clair. Bien aimé, c'était même. C'est devenu rouge. À force de se dépigmenter. Bien aimé, qu'est-ce que c'est? Mets-le dans ta vie. Bien aimé, mets-le dans ta vie. Bien aimé, mets-le dans ta vie. Changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. Changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. Jésus, tu as donné la vie. Je t'en supplie. Mets-le dans ta vie. Bien aimé, tu es ici. Tu ne peux pas passer une journée sans boire. Je t'en prie. Mets-le dans ta vie. Tu es ici, tu ne peux pas passer une journée sans fumer. Bien aimé, regarde. Tu sais que ces choses ne sont pas bonnes pour toi. Mais parce que tu es tenu, parce que tu es lié. Regarde. Tu ne peux pas te défaire de sa chose. Tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu es dedans. Mais depuis le Seigneur te tend la main ce soir. Bien aimé Jésus-Christ te tend la main ce soir. Bien aimé Jésus-Christ te tend la main ce soir. Bien aimé Jésus-Christ te tend la main ce soir. Donne-lui ta vie et tu seras. Bien aimé, donne-lui ta vie. Et Christ te libérera. Il te changera. Bien aimé, mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Bien aimé, fuyez je vous. Fuyez, je vous prie. Bien aimé, fuyez, je vous prie. Fuyez le copinage. Bien aimé, fuyez l'alcool. Bien aimé, fuyez la combattise. Fuyez la passion de jeunesse. Tu es ici, tu as deux gars. Tu as trois gars. Tu as deux beaux. Tu as trois beaux. Et quand on te demande, je dis que putain, tu es un beau gosse. Bien aimé, je t'en prie. Mets-le dans ta vie. Bien aimé, mettez-le là dans ma vie. Tu as changé la nature de ta chevelure. Mets-le dans ta vie. Bien aimé, tes cheveux sont noirs. Et regarde, aujourd'hui tu as les cheveux chauds. Aujourd'hui tu as bleu. Mets-le dans ta vie. Bien aimé, mets-le dans ta vie. Jeune homme. Regarde, tu as gardé tes cheveux. Tu as mis des produits pour avoir une chevelure. Tu as fait, je ne sais pas, on appelle Dieu. L'homme. Le Seigneur nous demande de lire 1 Corinthiens. Il dit qu'il est honteux pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais bien aimé, regarde, au début de la parole de Dieu, toi, tu te fais des presses. Mais je prie, bien aimé, réponds-toi. Je n'aime toi qui as fait de longs cheveux. Toi qui as fait des dreads. Toi qui as fait de l'os. Cela n'est pas la voix de Jésus-Christ. Bien aimé, cela n'est pas la voix de Dieu. Et de même, toi, jeune femme, tu as changé la nature de ta chevelure. Bien aimé, le Seigneur t'a donné une chevelure crépue. Mais toi, tu n'as pas dû changer la chevelure. Tu dis que tu veux les cheveux qui sont lisses. Parce que la femme blanche, elle a des cheveux qui sont bien lisses. C'est pas si point de jeu, c'est pas de peau. Pour défuser ta chevelure. Je t'en supplie. Mets de l'ordre dans ta vie. Bien aimé, sortez du mensonge. Mettez de l'ordre dans vos vies. Sortez du mensonge. Mettez de l'ordre dans vos vies. Et toi qui es ici, et tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Je te prie dans ta vie à Jésus. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Bien aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Tu veux te comporter comme Moïse. Tu veux jeûner 40 jours comme Moïse. Mais bien aimé, si tu n'as pas Jésus-Christ, il n'y a pas de salut pour ton âme. Bien aimé, tu peux parler l'église. Mais si tu n'as pas véritablement accepté Jésus-Christ, il n'y a pas de salut pour ton âme. Bien aimé, mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Et Jésus-Christ vous tend la main. Bien aimé, Jésus-Christ vous tend la main ce soir. Jésus-Christ vous tend la main ce soir. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Car les temps sont finis. Mettez de l'ordre dans vos vies. Car les temps sont finis. Habillez-vous décemment. Pour personne d'amoureux, habillez-vous décemment. Jeune homme, habille-toi décemment. Lorsque tu t'habilles, fais l'effort de cacher les parties de ton corps. Bien aimé, regarde, tu sens de vapeur. Bien aimé, arrête ces choses. Mets de l'ordre dans ta vie. Lorsque tu sens, tu as peut-être des culottes. Certainement, tu ne sais pas. Mais laisse-moi te dire que conformément à l'histoire de l'étude à ce verset 42, bien aimé, les culottes que tu as portées ne sont pas la gloire de Jésus-Christ. Parce que devant Dieu, porter des culottes pour se balader, c'est donc porter des caleçons, des chocotos. Alors, bien aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Bien aimé, mettez-le dans ta vie. Repentez-vous. Bien aimé, repentez-vous.
repentez-vous. Et vous avez sous tendance dans cette action. Plusieurs. Plusieurs sont. Sont accrois à la drogue. Plusieurs. Plusieurs sont de la drogue ici. Plusieurs. Sont appelés à la drogue. Certaines personnes n'ont pas les moyens. Vous avez trouvé les sous de revenus. Mais Père, mais je te prie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Car celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Père, mais regarde, tu détruis ton corps dans la cigarette. Dieu te détruira. Tu détruis ton corps dans la drogue. Dieu te détruira. Père, mais tu détruis ton corps dans l'alcool. Dieu te détruira. Mettez de l'ordre dans vos vies. Bien-aimés, mettez de l'ordre dans vos vies. Bien-aimés, mettez de l'ordre dans vos vies. Changez de vie avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimés, changez de vie avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si la tempête sonne aujourd'hui, plusieurs couleront des larmes. Si aujourd'hui la tempête sonnait, beaucoup diront, on nous avait dit, plusieurs diront, on avait entendu parler, plusieurs diront, on pensait que, mais bien-aimés, ce sera déjà trop tard. Bien aimé, ce sera déjà ton cas. Car le Jésus que tu rejettes aujourd'hui, c'est celui-là qui te jugera lorsque tu crois. Car il a dit dans le livre de Jean que Christ, Christ nous a dit que Dieu a remis tout jugement sur la main du Fils. Bien aimé, alors, le jugement passe à Christ. Mais bien aimé, toi, tu as rejeté Christ. Sous prétexte que ta religion ne te permet pas. Sous prétexte que, oh, celui-là, c'est un homme comme tout le monde. Bien aimé, je te le dis en vérité. Si tu ne vas pas d'avoir accepté Jésus, le ciel te sera fermé. Bien aimé, si tu meurs sans avoir accepté Jésus-Christ, le ciel te sera fermé. Mets-le dans ta vie. Bien aimé, mettez-le dans vos vies. Mettez-le dans vos vies. Je vous prie, sortez. Bien aimé, sortez de ces choses. Parce que nous sommes à la fin des temps. Bien aimé, sortez de ces choses. Parce que nous sommes à la fin des temps. Bien aimé, sortez de ces choses. Parce que nous sommes à la fin des temps. Jésus, tu entends ces paroles. Bien-aimé, ne regarde pas ma personne. Parce que autrefois, j'étais comme toi. Bien-aimé, autrefois, je priais comme toi. Autrefois, bien-aimé, je mentais comme toi. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Bien-aimé, pas ton cœur dans ces choses. Jeune frère, je viens t'interpeller ce soir. Jeune soeur, je viens t'interpeller ce soir. Regarde, c'est encore dans le fétichisme. Tu as encore de le faire quelque chose. Mets-le-là dans ta vie. Bien-aimé, mets-le-là dans ta vie. C'est toi qui fais des sacrifices. Afin que ta marchandise puisse marcher. Mets-le-là dans ta vie. Bien-aimé, mets-le-là dans ta vie. Mets-le-là dans ta vie. Si tu veux quelque chose, mets ta foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, parce que si tu meurs, bien-aimé, tu meurs dans ton fétichisme. Bien-aimé, tu meurs en lançant tes courriers, le ciel te sera fermé. Bien-aimé, je te le dis en vérité. Si tu meurs dans tes consultations, le ciel te sera fermé. Bien-aimé, si tu meurs derrière ta bouteille d'alcool, le ciel te sera fermé. Bien-aimé, si tu meurs avec ta cigarette, le ciel te sera fermé. Bien-aimé, si tu meurs avec tes faux cheveux, le ciel te sera fermé. Bien-aimé, si tu meurs avec ta mère, le ciel te sera fermé. Bien-aimé, tu meurs avec tes vêtements intestins, avec tes vêtements munis, le ciel te sera fermé. Bien-aimé, si tu meurs avec tes pantalons pour hommes, si tu meurs avec ce genre de choses, avec des vernis à ongles, le ciel te sera fermé. Si tu meurs avec ta boucle d'oreille, le ciel te sera fermé. Je te prie, j'entends ces paroles ce soir. Mets-le-là dans ta vie. Bien-aimé, j'entends ces paroles ce soir. Mets-le-là dans ta vie. Mets-le-là dans ta vie. Parce que le monde passe et ça convertisse aussi. Bien-aimé, le monde passe et ça convertisse aussi. Tu recherches ta vérité. Tu recherches ta gloire. Pour avoir de l'argent. Regarde, tu vas avec ta ressource. Pour casser des œufs. Bien-aimé, je te prie. Ces choses, bien-aimé, t'empêchons d'avoir le ciel. Mets-le dans ta vie. Toi qui entends dans le fétichisme, je ne peux pas
maintenant présent dans ta vie. Tu es maintenant présent dans ta vie. Tu es ici. Et tu as déjà allé voir le féticheur. Et viens de regarder. Quand tu vas voir le féticheur, certains ont eu affaire des scarifications. C'est un homme qui est passé. Viens de regarder. Le livre de l'Esprit déclare que celui qui verse le sang, partient le père. Ne t'allez pas le féticheur. Qui dit connaître Dieu. Ne t'allez pas le féticheur. Pour que je te fasse ton avenir. Pour que je te fasse la vie de ton cœur. Pour que je te fasse quelque chose. Mais bien aimé, laissez tu vas voir le féticheur. Et puis te trace le sang que tu as versé. Bien aimé, ça t'a même que tu as dédié au diable. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais le télévision fait. Et plusieurs, à cause des temps, ne prends pas de sauveur. Prenez les seins que tu casses et tu fais ta vie. Ne prends pas de sauveur. Et nous voulons te donner. Aujourd'hui, c'est toi qui sauves. Prenez, je te parle aujourd'hui. Prenez, je te parle aujourd'hui pour ce soir. Je te parle aujourd'hui pour ce soir. Plusieurs sont là. Parce que tu es désespéré de la vie. Oh, ils sont tellement désespérés. Je suis vraiment certaines pratiques. Shalom, shalom. Prenez mes méthodes là de vos vies. Vous l'avez noté de l'autre de votre vie. Un goût pour nous allons perdre notre âme. Un goût pour nous allons perdre notre âme. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. C'est le moment de revenir à lui. D'abandonner. D'abandonner l'immoralité. D'abandonner les mauvaises pratiques. D'abandonner l'immoralité. De renoncer au péché. Le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. Lorsque Dieu te dit de ne pas haïr ton frère, que tu haïs ton frère, c'est un péché. Lorsque Dieu te dit d'aimer ton prochain et que tu n'aimes pas ton prochain, c'est un péché. Quand Dieu te dit d'aimer ton prochain et que tu n'aimes pas ton prochain, c'est un péché. Quand Dieu te demande de bien t'habiller et que tu t'habilles mal, c'est un péché. Parce que tu laisses certaines personnes te convoiter. Fais de toi des immoralités. Dieu ne te va appeler à l'immoralité. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la solution pour toi. Il est la solution pour ta vie. Il est la solution pour ta vie. Lorsque tu es en bonne santé, tu fais semblant d'oublier l'Éternel. Mais laisse-moi te dire, va dans les hôpitaux. Va dans les morts. Et tu verras du Dieu. Va dans les hôpitaux. Ce corps que tu enrichis tant. Ce corps que tu suscites tant. Tu vas voir dans les hôpitaux. Personne ne peut prendre soin de son corps. Et tous cherchent la vie. Et tous aspirent à la vie. Parce qu'ils voient que l'entretien du corps n'est rien. Face à la mort, l'entretien du corps n'est rien. Mais laisse-moi te dire, si tu veux avoir la victoire sur la mort, Jésus te tend la main. Il te suffit simplement d'accepter cette main. Il est à la porte, docteur.
Il frappe. Il frappe. Il frappe. Décide de l'ouvrir. Décide d'ouvrir. Nous ne sommes pas venus ici pour condamner qui que ce soit. Mais nous sommes venus pour appeler des personnes à Christ à être sauvées. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Demain, je ne peux pas être, je peux être dans le vivant. Est-ce que tu as pensé que tu vas terminer l'éternité? Aujourd'hui, tu vis comme tu veux. Mais vivre sans Dieu a des conséquences. Vivre avec Dieu a aussi des conséquences. Vivre sans Jésus-Christ, c'est la mort. Vivre sans Jésus-Christ, c'est la mort. Quoi que tu es vivant, choisis la vie qui est Jésus. 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 Il t'aime tant. Il t'aime tant. Il te tend la main. 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 Le corps n'est rien. Le corps n'est rien. Va dans les hôpitaux. Bien-aimé, va dans les hôpitaux. Va dans les hôpitaux. Bien-aimé, nous vous rappelons encore ce soir. Que ce n'est pas à cause de ta bonté que tu obtiens. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu as donné rendez-vous à une personne encore week-end que tu es encore en vie. Mais c'est par la grâce du Seigneur que tu es encore en vie. Mais bien aimé, que cette grâce qui t'est donnée encore en ce soir ne prend pas cette grâce, ne prend pas cette grâce à bien aimé pour aller faire encore du mieux pour toi. Effectivement, ne prends pas cette grâce pour aller faire n'importe quoi. Quand j'ai dit du n'importe quoi, tu te révèles en toi à ton Dieu. Tu te révèles pas à ton Dieu. Quand tu confesses, tu te révèles à son Dieu. Tu te révèles à ton Dieu. Bien aimé le Seigneur Jésus qui t'aime. Bien aimé le Seigneur Jésus qui t'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime que lui. Parce que l'homme. Parce que l'homme. Que nous sommes. Que nous sommes. Nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles. L'homme que nous sommes. L'homme que nous sommes. Nous sommes mauvais. L'homme que nous sommes, nous sommes qui profitent, bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, est celui-là qui demeure fidèle, est celui-là qui demeure fidèle, même lorsque nous sommes fidèles, même lorsque nous sommes fidèles, bien-aimé quand les temps difficiles viendront. Bien-aimé, quand les temps difficiles viendront, l'homme t'abandonnera. L'homme t'abandonnera. Les idoles finiront. Les idoles finiront. Tous ceux à qui tu te profites. Tout le temps qui t'es confié. Le poids à te sauver. Et bien, tu veux passer le lit de l'hôpital. Les canaries à qui tu te confies. Les canaries qui te confient. Ne pourront pas te sauver. Ne pourront pas te sauver. L'hôtel de ta maison. L'hôtel de ta maison. Ne peut pas te sauver. Ne peut pas te sauver. Parce que tous les hôtels que tu adores. Parce que tous les hôtels que tu adores. Ne t'ont jamais promis la vie éternelle. Ne t'ont jamais promis la vie éternelle. Les canaries que tu adores. Les canaries que tu adores. Ne t'ont jamais promis la vie éternelle. Ne t'ont jamais produit la vie éternelle. Le Dieu des hommes que tu adores. Le Dieu des hommes que tu adores. Ne t'ont jamais sorti de l'eau pour aller mourir pour toi là-bas. Ne t'ont jamais sorti de l'eau pour aller mourir là-bas. Pour toi. Oh, le Dieu des bois que tu adores. Le Dieu des bois que tu adores. Il n'a jamais donné sa vie pour toi. Il n'a jamais donné sa vie pour toi. Les statues que tu adores. Les statues que tu adores. Il n'a jamais donné la vie pour toi. Il n'a jamais donné la vie pour toi. Oh, bien-aimé Bouddha que tu adores. Bien-aimé Bouddha que tu adores. Il n'a jamais donné sa vie pour toi. Il n'a jamais donné sa vie pour toi. Bien-aimé la forêt que tu adores. La forêt que tu adores. Il n'a jamais donné sa vie pour toi. Il n'a jamais donné sa vie pour toi. Bien-aimé ta copine que tu aimes. Elle peut jamais donner sa vie pour toi. Elle peut jamais donner sa vie pour toi. Le gars que tu aimes. Le gars que tu aimes. Il peut jamais donner sa vie pour toi. Il ne peut jamais donner sa vie pour toi. Bien-aimé, il y a une seule personne. Bien-aimé, il y a une seule personne. Un seul être. Il y a un seul être. Il y a un seul créateur. Il y a un seul créateur. Il est le seul créateur. Il est le seul créateur. Il est le souverain. Il est le souverain. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu tout puissant. Il est celui-là seul. Il est celui-là seul. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Bien aimé, dis-moi. Bien aimé, dis-moi. Parmi tous les livres. Parmi tous les livres. Tous les dieux que tu adores. Tous les dieux que tu adores. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. A donné sa vie pour toi. 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 Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. A créé le ciel et la terre. A créé le ciel et la terre. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. On appelle l'ancien des temps. On appelle l'ancien des temps. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. A fait des six grands miracles le Seigneur Jésus-Christ. A fait des six grands miracles le Seigneur Jésus-Christ. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. A capable de ressusciter les morts. A capable de ressusciter les morts. Le cœur de
cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Entendez la chose arrive. Entendez la chose arrive. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Ramenez la personne pour ouvrir. Ramenez la personne pour ouvrir. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il n'y a personne pour fermer. Il n'y a personne pour fermer. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. La parole déclare. La parole déclare. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Devant son nom. Et devant son nom. Tout genou fléchi. Tout genou fléchi. Bien aimé, tout genou fléchi. Tout genou fléchi. C'est-à-dire sur toi, ton Dieu. N'est pas Jésus-Christ. Ton Dieu n'est pas Jésus-Christ. Il fléchit sur tout ce que Jésus-Christ. Il fléchit sur tout ce que Jésus-Christ. A tout genou fléchi. Tout genou fléchi. A tout genou fléchi. Tout genou fléchi. Vous a fléchi. Vous a fléchi. Le Dieu de Marigot fléchi. Le Dieu de Marigot fléchi. Le Dieu du football fléchi. Le Dieu du football fléchi. Que ça soit dans les cieux. Que ça soit dans les cieux. Que ça soit sur la terre. 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 Nous fléchis. Et tout notre confesse. Et tout notre confesse. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Dites-moi. Dites-moi. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. C'est mon temps de panique. C'est mon temps de panique. Partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Que les gens cherchent à connaître. Que les gens cherchent à connaître. Parce que les gens te demandent. Parce qu'ils te demandent. Mais celui-là. Il est qui en Jésus? Les musulmans se demandent. Les musulmans se demandent. Jésus-Christ va. Jésus-Christ. Il est qui en Jésus? Il est qui en Jésus? Bouddha se demande. Jésus-Christ va. Jésus-Christ. Il est qui en Jésus? Il est qui en Jésus? Les athées se demandent. Les athées se demandent. Jésus-Christ va. Jésus-Christ. Il est qui en Jésus? Il est qui en Jésus? Benjamin. Il n'y a pas le nom sur la terre. Sur la terre. Qui sont aussi puissants que le nom de Jésus-Christ. Il est tellement puissant. Et il n'y en aura jamais. Il a tellement troublé le monde. Il a tellement troublé le monde. Que les hommes se demandent. En fait, qui est ce Dieu-là? Parce que, en vérité, Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'en vérité, Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans ce nom, il y a assez de contradictions. Il y a assez de contradicteurs. Parce que les gens ne connaissent qui il est. Tandis que les autres savent déjà qui il est. Bien-aimé, Jésus-Christ est la vie. C'est celui-là qui nous promet la vie éternelle. Je te le dis avant ce soir, Père. Je te le dis encore ce soir, ma soeur. Après cette vie, il y a une autre vie. Tu vas te le passer ici. Tu t'assois, tu es en train de consommer de la folle. Actuellement, mon frère, tu es en train de te faire plaisir. Tu es en train de boire ta bière. Actuellement, tu te fais plaisir. Tu es en train de manger tes biens. Mais est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ habite en toi? Est-ce que tu peux aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce que bien aimé, je te le dis, que tu es un voyageur sur la terre, que tu es un pèlerin sur la terre, tout ça tu pourras. Tu peux même mourir ce soir, mais si tu meurs, où il a ton âme. Toi, tu te glorifies. Tu te dis que tu es puissant, que tu es fort. Qu'il n'y a personne pour toi. Je te le dis en vérité. Bien aimé, l'homme est une vanité. Les pensées de l'homme sont une vanité. Bien aimé, celui qui n'a pas Jésus-Christ est déjà mort. Toi qui n'as pas de vie. Parce que le Seigneur Dieu pouvait déclarer, laissez les morts, ensevelir les morts. C'est-à-dire qu'il y a des morts qui passent dans la rue. Parce que celui-là qui n'a pas Jésus-Christ est déjà mort. C'est clair. Parce que tu es en train de marcher, tu déposes tout ton âme. Bien aimé, tu as rejeté Jésus, tu as accepté la mort. Tu as rejeté Jésus, tu as pris la mort. C'est clair. Et pour toi qui vas à l'église, si tu ne vas pas selon qui tu as choisi la mort, c'est clair.
Dieu ne m'écoute pas ton pasteur. En effet. Ne cherche pas à écouter un homme de Dieu. En effet. Mais écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand le Seigneur te dit, ne fais pas ça. Si ton pasteur te dit des faux, bien aimé. Fuis. Fuis le pasteur. C'est toi, tout disciple, tout homme, n'est-ce pas éloigné de la ligne de la loi. Toi qui es chrétien qui ne bénit pas la Bible, tu as choisi la mort. Toi qui es chrétien qui n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu, tu as choisi la mort. Parce que pour celui-là qui veut vivre, s'approche du Seigneur. Oh! Si tu veux t'approcher du Seigneur, la seule manière de s'approcher du Seigneur, c'est de méditer ta parole. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu vas faire pour connaître ton Dieu? Est-ce que tu vas aller s'asseoir à l'église pour que ton pasteur te parle de ton Dieu? Mais si ton pasteur est en train de te mentir, comment tu vas faire pour savoir que tu es en train de te mentir? Car aucun mondain ne rentrera dans le royaume des cieux. Parents, réveillez-vous. Vous qui étudiez les enfants selon votre foi. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez vos enfants pour faire comparaison. Mon enfant, toi, je suis un côté de l'enfant. Regardez ce que vous faites sur nos enfants aujourd'hui. Les petites filles ont toutes les petites questions. Elles portent car elles sont pour sortir. Regardez déjà les plaintes que vous faites sur la tête de vos filles. Regardez déjà les dolores que vous faites sur la tête de vos petits enfants. Et vous approuvez cela. À cause de la télévision. La télévision n'a en effet à gâter le monde. La télévision n'a fait à gâter le monde. Parce que vous êtes en train de tout confier sur le plan. Bien la même vérité, le plan de la rejeter Dieu. La majorité des plans de la rejeter Dieu. Alors toi, tu peux pousser les plans. Tu es en train de rejeter Dieu. Toi, tu n'as pas de plans. Aujourd'hui, tu veux devenir star, jeune homme. Tu veux ressembler à Cristiano Ronaldo. Tu veux ressembler à Lionel Messi. Tu veux ressembler à Doussaka ou à Afat. Bien aimé, si tu ne sois pas dans ça, ce n'est pas pour toi. Parce que c'est ça, que tu connais. Même si je veux dire sacrifié. Si tu ne sommes pas dans le de la tout, encore des artistes, bien aimé, tu es en train de perdre ton arbre. Regarde un peu. Pendant que ton Dieu te dit de méditer le livre de la loi à nuit de jour. Pendant que ton Dieu te dit de méditer la parole à nuit de jour. Tu n'as pas tort. Mais lorsque j'ai interpris un match de football, tu as le temps d'aller regarder le match de football. Tu as le temps de t'asseoir 2 heures, 3 heures, en train de regarder télé de plat. Tu as le temps de t'asseoir 2 heures, 2 heures, en train de regarder des bandes dessinées. Tu te réveilles à 5 heures du matin pour aller regarder ce quel numéro qui est sorti. L'auto. À 14 heures. Tu dois regarder ce quel numéro qui est sorti. Mais tu n'as pas le temps de prendre la vie pour méditer. Bien aimé, donne-le pour toi. Comment on dit? Ils sont professeurs de service. Regarde-le pour toi. Tu te lèves pour te dire à Dieu, c'est difficile. Quand tu sors pour tout ce que tu fais, pour faire. Parce que quand tu sors, c'est pour aller voler. Tu as pris l'argent de vol pour aller consommer de l'alcool. Tu as pas l'argent de vol pour aller sortir les prostituées. Tu as pas l'argent de vol pour te maximer. Bien aimé, toi, mais faut quoi? Bien aimé, toi, mais faut quoi? Et que cela, c'est pour la gloire de Dieu. Regarde un peu la manière de marcher, ma soeur. Est-ce que tu prends le futur? On va prendre quoi, là? Regarde un peu ta manière de marcher. Tu fais une révision sur ta vie. Regarde. Lorsque le jour de ton anniversaire arrive, la date de ta naissance arrive. Regarde comment tu es excité. À cause de ton anniversaire.
Tu parlais de prostituer. Avant de ton arrivée, tiens. Tu parlais de vendre. Avant de iPhone. Tu parlais de vendre. Avant de choses de ce monde. Tu parlais de vendre. Tu peux vendre ta vérité. À cause d'anniversaire, à cause de gâteau d'anniversaire, tu peux vendre. Ma soeur, réponds-toi. Ma soeur, réponds-toi. À cause de plaisir de ce monde, tu vas aller acheter près de 40 000, de 100 000, de 200 000. Fais plaisir à ta chair. Oh, le Seigneur, Dieu peut te faire. Les dédits de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Celui qui vit sans la chair ne serait plus à Dieu. Si tu dis, mon frère, pour faire plaisir à ta chair, dans ce cas, tu as choisi la mort. Parce que lorsque tu te lèves, pour faire plaisir à ta chair, tu dois boire. Lorsque tu te lèves, pour faire plaisir à ta chair, tu dois fumer. Lorsque tu te lèves, pour faire plaisir à ta chair, tu prends de la drogue. Lorsque tu te lèves, pour faire plaisir à ta chair, tu vis dans l'électricité. Bien aimé, tout cela sont portés à la voix de Dieu. Bien aimé, tout cela sont portés à la voix de Dieu. Pour toi, avant qu'il vit dans ces choses, le Seigneur t'appelle à la repentance. Pour toi aussi, tu as du mal à sortir de la masturbation. Si tu as du mal à sortir de l'impie, si tu as du mal, arrête le vol. Bien aimé, cherche à faire ta délivrance. Cherche à rapporter les hommes de Dieu. Parce que derrière ce péché, il y a un esprit. Cherche derrière le péché de la masturbation. Celui-là qui prend la robe, la masturbation. Toi, dès qu'il était difficile de sortir de l'opinage. Parce que ton corps ne peut pas résister. Quand tu vois un garçon comme ça, tu as envie d'aller avec lui. Quand tu vois une femme comme ça, tu as envie d'aller avec elle. Bien aimé, cherche à passer à la délivrance. Cherche à recevoir le Christ. Parce que ta parole pouvait déclarer. Si toi, le Fils vous a passé, vous y allez. Si toi, le Fils vous a passé, vous êtes bien-aimé. Cherche à être affranchi par le Christ. En vérité, frère, il ne faut pas qu'on vous mente. Nous qui sommes ici, là, nous savons faire ce que vous faites actuellement. Je dirais même certains de nous ont fait bien plus. Vite dans le copinage. On a vécu dans le copinage. Quand une relation est bonne, on a vécu dans ça. Quand ils consommaient l'alcool, on a vécu dans ça. Certains même ont vécu dans la masturbation. Bien aimé, mais aujourd'hui on était affranchi par le Christ. Et aujourd'hui ces choses sont contre nous en fait de la boue. Pendant que tu prends le plaisir de te glorifier de ce que tu adores pour toi. Pour toi, copine, nous on voit cela comme du cachicot de la poule. C'est parce que toi, le Seigneur, je lui dis ta poche. Bien aimé, ton succès est approché par le Seigneur. Cherche aussi à rapporter le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas fatigué de vivre comment tu vis, hein? Fatigué de sortir avec les garçons, tous les garçons qui prennent pour amusement. Mon frère, tu n'es pas fatigué de faire tout cela. Fatigué de la cigarette. Tu n'es pas fatigué de l'alcool. Tu n'es pas fatigué. Mon frère, tu n'es pas fatigué de la drogue. Prends le deuxième, prends le second, impatient. Mon frère,
Tu n'es pas fatigué, chaque fois tu te prends la tête. Je vais aller au salon de coiffure pour me faire belle. Qui t'a dit que tu es vilaine? Tu n'es pas fatigué de tout ça? Tu vas te prendre la tête. Je vois tes cheveux même ne peuvent même pas respirer. Tu n'es pas fatigué de chaque fois de te pigmenter, enlever ta peau. Tu n'es pas fatigué. Fatigué de voir tes nuits seules. Pourtant tu as beaucoup de copains. Mais tu rentres seul, seul. Tu n'es pas fatigué de tout ça. Fatigué de vivre dans l'ivresse. Fatigué de voler. Fatigué de mentir sur ton frère, sur ta soeur. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de te révéler comme Dieu. De dire que Dieu ne t'a pas créé de manière merveilleuse. Tu n'es pas fatigué de troquer ta beauté pour de l'argent. Tu n'es pas fatigué de coucher avec des hommes mariés pour de l'argent. Tu n'es pas fatigué de vivre avec un homme qui t'a pas doté, qui t'a pas marié. Tu n'es pas fatigué. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est béni. Il dit pour qu'il est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Tu n'es pas fatigué. Fatigué de faire ce que tu as envie de faire. De marcher sans protecteur. De marcher errant. Comme dans un désert. Tu n'es pas fatigué. Que les hommes poussent avec toi comme un jouet. Tu n'es pas fatigué de chaque fois vous l'avez plein. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. À cause des hommes t'habiller comme une prostituée. Tu n'es pas fatigué de ça. Tu n'es pas fatigué. Regarde à Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu sur la terre pour mourir pour toi. Pour te soulager. Pour te soulager. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi qui m'entends. Je te salue dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si je suis là devant toi ce soir, ce n'est pas pour te pousser. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, pour toi qui m'entends ce soir, pour toi ce soir sort à tes oreilles. Oh papa, maman, toi qui m'entends, je te salue dans le nom de Jésus. Et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Mais laisse-moi te rappeler que papa doit te m'entends. Les temps sont fous. Je te pose la question. Toi, jeune frère. Toi, jeune soeur. Pendant que le temps qui a sa fin, toi, tu es toujours dans le poisson. Pendant que le Seigneur Jésus
Il est déjà là. Regarde. Tu es encore dans la colle. Pendant que le Seigneur saisit, il est déjà sur la terre. En train de marquer ses enfants. Tu es encore dans la minute. Pendant que le Seigneur saisit, il est déjà là. Je vais lui chasser ses enfants. C'est encore un Seigneur à mon dos. Regarde la vie que tu mènes. Actuellement, les temps qui a sa fin. Mais toi, tu es tout de go, égard. Bien-aimé, c'est à toi que je t'appelle. Les temps sont encore finis. Mais tu es toujours très poisson alcoolisé. Mais tu es toujours dans ce qui saoule. Je ne suis pas venu te juger, mon frère. Mais attirer de l'attention sur quelque chose que tu dois savoir. C'est que papa, comment la boisson alcoolisée que tu bois, sans le savoir, est dangereux pour ton âme. Jeune frère, on t'a annoncé, on t'enseigne à l'église, que toi, enfant de Dieu, tu peux consommer de l'alcool. Laisse-moi te dire la vérité. Je ne suis pas venu t'annoncer que tu vas te marier. Ma soeur, je ne suis pas venu te dire que tu auras un enfant. Mais de t'appeler sur la manière d'habiller. Peut-être que tu ne le sais pas, mais ta manière d'habiller peut soit te conduire au fer ou te conduire au paradis. Pendant que le monde tient à sa fin, toi tu ne roses pas ta vie. À ça tu es toujours le bon gars. Non, c'est mon copain. Non, c'est ma copine. Non, c'est tu dis. Bien aimé, je te dis en vérité. Que comme le Seigneur Jésus, il n'a pas de bon gars. Que comme le Seigneur Jésus, il n'a pas de bon gars. Oh, ma bien aimée, tu as donné ta vie à Jésus. Mais depuis ce temps, tu n'arrêtes pas de porter mini. Regarde, tu te casses au feu de Dieu. Mais lorsque tu t'habilles, tu mets ta nourriture dehors. Et à cause de toi, elle sort de bonne voie. Bien aimé, il est temps de te répondre. Il est temps de te répondre, bien aimé. Il est temps de te sortir de vie. Pour toi qui m'entends, bien aimé. Pour toi qui m'entends, tu es toujours encore dans l'ordre de notre pornographie. Oh, je te tiens de l'été. Si tu mets dans ce sens, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Bien aimé, je t'en supplie. Il est temps de changer de vie. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est maintenant que tu vas ranger ta vie. Toi, tu passes ton temps à faire les courses. Là, que tu vois l'argent, tu es prêt à faire beaucoup pour avoir cet argent. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Il est temps que tu sois en vie pour ne pas rater le ciel. Oh, toi, mon frère, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, le Seigneur Jésus, même le marabout le savent, même les féticheurs le savent, même les sorciers le savent, que le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Que tu sois dans la carrière, je ne sais pas quel côté que tu appartiens. Tu ne soutiens pas que Jésus est Dieu. Je te dis en vérité, au son du jugement, tu ne diras pas que tu ne savais pas. Bien aimé, aujourd'hui, je t'appelle à la repentance.
Je t'appelle à la repentance de cette vie. Oh mon frère, tu n'as pas payé la dot de la fille. Tu n'as pas payé la dot de la fille. Et tu te permets d'aller avec elle. Ose te reposer. La femme que tu as mis à la maison, tu n'as pas payé sa dot. Et tu l'as déployé chez toi à la maison. Tu n'as pas allé voir ses parents. Tu allais payer sa dot. Et tu allais te déployer cette femme chez toi à la maison. Bien-aimé, je t'en supplie. Il est temps de te repentir. Il est temps de changer de vie. Oh. Toi qui t'es encore dans le monde. Toi qui t'es encore dans le monde. Toi qui as reçu un baptême. Toi qui as été baptisé. Tu as reçu un baptême. Qui n'est pas au nom de Jésus. Je te dis en vérité. Un baptême par immersion. Je ne parle pas que je te baptise en piscine. Je ne parle pas du baptême. Là où tu allais dans la piscine. Et ils t'ont plongé dans l'eau. Je ne parle pas du baptême. Là où tu allais dans le ballon gonflable. Et ils t'ont plongé dans l'eau. Je ne parle pas du baptême. Là ils ont pris l'eau pour verser sur ta tête. C'est pas de ce baptême que je parle. Mais si tu n'as pas été baptisé, selon la parole de Dieu, par immersion, dans une autre boule, comme nom de Jésus, et baptisé au nom de Jésus. Je te le tiens de l'autre. Tu ne pourras pas voir le Seigneur Jésus. Bien-aimé, je te supplie. C'est maintenant qu'il faut changer de vie. Des personnes aiment dire, oh, lorsque je vais me dire, je vais demander pardon à Dieu. Je te le tiens de l'autre. Regarde, tu as fait un tatouage sur toi. Tu as mis des tatouages sur ton corps. Mais penses-tu que Jésus est content de ça? Bien aimé, je t'en supplie. C'est maintenant qu'il faut changer de vie. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est maintenant qu'il faut arrêter cette autre vie. Avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, tu tapes ta poitrine. Que toi tu aimes Dieu. Tu tapes ta poitrine. Que toi tu aimes le Seigneur Jésus. Tu tapes ta poitrine. Tu dis que tu es chrétien. Mais c'est toi qui tiens le cœur de l'autre. Ce que les gens du monde font, toi aussi tu le fais. Les week-ends, ils vont en boîte de nuit. Toi aussi, tu vas en boîte de nuit. Les gens du monde, ils fument la cigarette. Toi, enfant de Dieu, tu fumes aussi la cigarette. Je ne suis pas venu juger quelqu'un, mais je t'appelais pour que tu puisses changer de vie. Je t'en supplie. Mon frère, ma soeur, toi qui viens encore en Kouéga, oh, je t'en tiens de vie. Devant le Seigneur Jésus, si tu meurs dans une vie de Kouéga, tu ne peux pas voir le Seigneur Jésus. Je te le tiens de vie, ma soeur, mon frère. Il est temps de quitter l'enseigne du monde. Il est temps de sortir du monde. Regarde, tu as fait les médicaments de parade. Tu t'es posé une question. Ces forces que tu as, est-ce que ces forces viennent de Dieu? Et tu penses que quand tu vas mourir, mais tu vas aller où? Tu as mis les balles de mariage. Tu as mis les balles de sécurité. Tu as mis les cordons de sécurité à ta hanche. Tu as fait les médicaments de protection. À cause de ton commerce, tu es parti voir un marabout pour prendre soin de ton commerce. Tu es parti voir un charlatan pour que ton commerce puisse marcher. Mais je te pose la question. Et si aujourd'hui tu arrives à mourir, est-ce que tu vas aller au ciel? Ce médicament que tu as fait, et lorsqu'il y a accident, la banque te sert. Le médicament que tu as fait, à cause de l'argent, tu allais voir un marabout. Toi qui continues à consulter les pétisseurs. Oh, quand tu as un problème, c'est un pétisseur que tu vas voir. Je te pose la question. Est-ce que c'est le pétisseur que tu as créé? Toi, lorsqu'il y a un problème, au lieu de te tourner vers Dieu, tu vas consulter un marabout. Tu passes le pétisseur. Je te pose une question. Est-ce que ce sont les fétichistes qui ont créé? Bien aimé,
si tu ne changes pas de vie, si tu ne changes pas de vie, si tu ne changes pas de vie, si tu ne sors pas de la masturbation, lorsque le Seigneur se viendra, oh, tu ne pourras pas le voir. Je t'en supplie, bien-aimé. Je t'en supplie, bien-aimé. Lorsque tu te réveilles le matin, tu peux éponger chassé d'alcool. Tu acceptes. Alcool en chassé. Et tu prends, tu commences à boire. Mais que tu te poses une question. Et si je meurs dans ça, je vais aller où? Peut-être que tu ignores. Tu penses que après la vie sur terre, il n'y a plus d'autre vie. Mais laisse-moi te rappeler. Après cette vie que tu mets sur la terre, il y a encore une deuxième vie derrière. Mais l'alcool que tu bois, tu te poses une question, mon frère. Et si tu mourras dans ça, je vais te t'appeler aujourd'hui. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Il veut que tu sors de l'alcool. Lorsque tu consommes l'alcool, tu es content. Lorsque tu fumes la cigarette, tu es content. Mais tu t'es posé la question. Mais attends, et si je mets en cigarette là, je vais aller où? Tu t'es posé la question. Et si je meurs dans l'alcool, dans tout le coup, dans les boissons alcoolisées, dans codice, dans vodi, je vais aller où? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que tu t'es déjà une fois posé cette question, mon frère? Papa, est-ce que tu t'es déjà une fois posé cette question? Et si je meurs aujourd'hui pour le péché, mais je vais aller où? Tu as passé ton temps, tu t'es promené sur le soleil pour aller chercher l'argent. Tu n'étais pas heureux. Et après ta mort, tu ne seras pas heureux encore. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut chercher le ciel. Et il n'y a point d'autre nom qui peut te donner le salut. Si cela est le nom de Jésus. Les marabouts le savent. Les alphas le savent. Les féticheurs le savent. Les sorciers le savent. Les communs le savent. Les bouddhistes le savent. Que le seul nom qui peut sauver un homme, c'est le nom de Jésus. Oh! Tu parles de mal conjugué. Lorsqu'on parle de Jésus, tu as toujours des arguments à dire. Non, il n'est pas Dieu. Non, il est ceci. Il est cela. Bien aimé, je te le dis en vérité. Si tu es mort sans le Seigneur Jésus, tu ne pourras pas voir le ciel. Si tu meurs sans accepter le Seigneur Jésus, je te le dis en vérité. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta communauté, de personne qui fait, c'est parce que je suis chrétien, c'est parce qu'on est chrétien qu'on affirme que Jésus est Dieu. Oh, je te le dis en vérité. Même les sorciers, ils savent que Jésus est Dieu. Bien aimé, c'est maintenant qu'il faut chercher le ciel. Peut-être que tu ne le sais pas. Des personnes sont mortes. Tu tapes ta poitrine. Tu as trop l'argent. Tu as un gros contentement. Tu as voiture. Tu commences à toucher l'argent. Et tu penses que tu as tout gagné. Tu penses que tu es heureux. Bien aujourd'hui, je t'appelle à la repentance. Bien aujourd'hui, je t'appelle à la repentance. Il est temps de changer de vie. Regarde à la maison. Toi, tu passes ton temps à voir quelqu'un. Bien-aimé, toi, tu ne laisses pas pour toi aller poser. Tu ne laisses pas pour toi aller poser. Je te le dis en vérité. Toi, tu sais que tu as gros cœur. Gros cœur ne rentre pas au ciel. Bien-aimé, gros cœur ne rentre pas au ciel. Regarde au fond de toi. Tu
ce que tu as nécessité. Au fond de toi, les plantes sont lisses. C'est ça toi tu aimes. Au fond de toi, tu sais que tu es rempli de perversité. Au fond de toi, tu sais que tu es rempli de perversité. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Il est temps de changer de vie. Avant qu'il ne soit trop tard, il est temps de changer de vie. Regarde, la nature que Dieu a créée, la nature que Dieu t'a donnée, toi tu as l'audace d'aller changer la couleur de ta peau. Bien-aimé, ce sont les choses qui vont te faire appeler le ciel. Ce sont des choses qui vont te faire rater le ciel. Je t'en supplie. C'est dès maintenant qu'il faut changer de vie. C'est dès maintenant qu'il faut sortir du monde. C'est dès maintenant qu'il faut arrêter de consommer l'alcool. Car bien aimé, cela ne peut pas du bien à ton âme. C'est dès maintenant tu sais que ton ami, il fait la mauvaise chose. Il faut te séparer de lui. Parce que si tu meurs dans le type de vol, si tu meurs dans le vol, si tu meurs dans la pornographie, je te le dis en vérité, tu ne feras pas le Seigneur Jésus. Mais je ne suis pas venu te juger. Regarde, tu es chrétien, mais tu as encore les coiffures du monde. Lorsqu'on te parle, mais attends, qui a-tu du mal de faire tout temps? Mais attends, tu es chrétien. Le monde fait tout temps. Toi aussi, tu fais tout temps. Bien-aimé, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, tu fais tout temps. Tu fais la profite du monde. Si tu meurs, tu ne peux pas voir le Seigneur Jésus. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Ce n'est pas une règle qui est dirigée par les chrétiens. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, si tu es mort en étant dans le monde, en faisant les drogues, les coiffures du monde, vois ce homme, en s'habillant comme le monde, de manière sexy, tu passes ton temps à porter les bagues, à porter les choses sur toi, les ornements, quelle que soit ta religion, si tu meurs dans ces choses, dans les boucles d'oreilles, dans ces ornements, tu es toujours en train de faire pour Madoya. Je te le tiens prêté. Tu ne feras pas le ciel. Tu ne feras pas ton Dieu créateur. Je te le tiens prêté. Oh mon frère, tu n'as pas Jésus. Malheur à toi. Si tu meurs sans donner ta vie à Jésus. Il n'y a pas de chemin. Arrivé devant le ciel, on va regarder sur ton front. Est-ce qu'il y a la marque de Jésus? Lorsque tu entends Jésus, tu fais comme tu n'entends rien. Lorsque tu entends le nom de Jésus, tu pousses tes oreilles. Bien aimé, tu peux continuer. Mais rappelle-toi qu'un jour, tu vas mourir. Rappelle-toi qu'un jour, tu finiras par rendre l'âme. Et tu dois rendre compte au Seigneur Jésus. Toi qui parles pour dire non, Jésus est prophète, Jésus n'est pas Dieu. Tu rendras des comptes à Dieu. Je te le dis en vérité. Il est temps de changer de vie. Il est temps de changer de vie. Il est temps de changer de vie. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, ma bien-aimée, Jésus ne t'a pas doté. Arrête d'aller avec lui. Ma soeur, ce jeune homme, il n'a pas payé ta dot. Arrête d'aller avec lui. Parce que si tu meurs, je te le dis en vérité, tu ne pourras pas voir le sang. Si tu meurs, sans donner la fille et tu continues d'aller avec elle. Oh, tu ne verras pas le ciel. Je t'en supplie, bien-aimé.
prend le temps de changer de vie. Toi qui passes ton temps à insulter les autres. Toi qui n'as pas encore renoncé au monde. Toi qui n'as pas encore changé de vie. C'est maintenant. C'est maintenant de changer de vie. Toi qui vas accepter le Seigneur Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Mais tu réfléchis. Mais attends. Si je donne ma vie à Jésus, je vais laisser ça. Je vais laisser mes groupes. Non, je ne suis pas encore prêt. Bien aimé, si tu meurs sans Jésus, tu ne verras pas le ciel. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Pour toi qui as entendu la nouvelle, tu ne vas pas dire un jour que tu n'as pas entendu. Tu ne diras pas un jour que tu n'as pas entendu la nouvelle. Il est temps de changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Bien-aimé, pour toi qui m'as entendu, tu n'as pas appris conscience que les temps sont finis. C'est maintenant qu'il faut changer de vie. C'est maintenant qu'il faut ranger sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Tu ne diras pas un jour que tu n'as pas entendu. Tu ne diras pas un jour que tu n'as pas entendu. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Shalom, shalom à vous.